Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule cocktail de cette semaine. Donc, on se rapproche toujours du temps des fêtes, on peut s'en permettre un petit peu, on peut se laisser aller un petit peu, faire des cocktails qui sont plus riches. Et cette semaine, je vous propose un cocktail qui justement entre dans cette catégorie et j'ai nommé le Mudslide. Ce cocktail-là est apparu dans les années 70 dans les îles Caïmans. C'est un client dans un club qui voulait un White Russian. Donc ça, c'est un cocktail à base de Kahlua, de lait et de vodka. Il a demandé ça au bar. Le barman a décidé de changer un petit peu la recette et a utilisé de la crème irlandaise plutôt que du lait. C'est ainsi que le mudslide est né. Donc ça a été le popularisé beaucoup plus dans les années 80 aux États-Unis. Pour faire ce cocktail-là, on va avoir besoin, bien entendu, de liqueur de café, de crème irlandaise et de vodka. C'est un cocktail qui va être shaké et qui va être servi dans un verre avec un petit volume. Pour ce qui est de la décoration, on va pouvoir en reparler à la fin du vidéo, où on a vraiment plusieurs options qui s'offrent à nous. Allons-y avec la recette. Donc tout d'abord, je vais y aller avec une once de Kahlua, ma liqueur de café. Juste ici. Je vais poursuivre avec une once de Baileys, ma crème irlandaise. Juste ici. Et on termine avec une once de vodka. Donc dans ce cas-ci, j'utilise la pure vodka, produit québécois. Toujours aussi excellent à utiliser dans les cocktails. Et voilà. On envoie tout ça au shaker. Et maintenant, une double filtration si possible. On verse ça dans notre verre. Et voilà, vous avez votre mudslide. Concernant la décoration maintenant, il y a des gens qui vont ajouter une demi-once à une once de crème, histoire de rendre le cocktail encore plus riche. Il y a des gens qui vont tremper le verre là, dans un sirop de chocolat pour faire un pourtour là, chocolaté. Des gens qui vont ajouter une petite boule de crème glacée dans leur verre et présenter ça comme dessert. Dans ce cas-ci, nous, on va plutôt ajouter un petit peu de chocolat sur le dessus. Donc, moi, dans ce cas-ci, je vais saupoudrer du cacao. Mais on pourrait très bien râper du chocolat noir ou du chocolat blanc. C'est vraiment à votre guise. Je vais apporter mon cacao. Juste ici. Comme ça. Et puis là, je vais en rajouter encore un petit peu. Juste ici, et voilà, vous avez votre mudslide. C'est ce qui conclut la recette de cette semaine. Si vous avez aimé la recette, je vous invite à cliquer j'aime, je vous invite à la partager à vos amis. Si vous avez des questions, des commentaires, vous avez d'autres suggestions pour le temps des fêtes ou dans les semaines qui vont suivre, vous pouvez l'ajouter en commentaire juste en bas du vidéo. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine. Santé!